Face au risque d'effondrement global de notre civilisation thermo-industrielle, que devons-nous et que pouvons-nous faire? Différentes formes d'action sont possibles, au premier rang desquelles s'impose la diminution, à titre individuel comme à titre collectif, la diminution de notre consommation énergétique et particulièrement de notre consommation énergétique fossile. Cette diminution s'impose à nous comme une nécessité vitale, une nécessité très bien illustrée par la logique du raisonnement sous-jacent à l'équation de Kaya, comme je vous le montre dans une autre vidéo. Face à cette nécessité de diminuer notre consommation énergétique fossile mondiale, au cours des 2-3 dernières décennies, une réponse possible s'est petit à petit imposée, comme s'il s'agissait là d'une parfaite évidence. Pour diminuer la consommation énergétique fossile mondiale, il faut augmenter la production et la consommation de nouvelles énergies renouvelables. Les nouvelles énergies renouvelables, de ce point de vue-là, vont donc nous sauver. Nous sauver de la décroissance énergétique forcée et donc nous sauver d'une décroissance économique forcée, puisque consommation d'énergie et production de richesses économiques sont parfaitement et étroitement liées. Les nouvelles énergies renouvelables vont nous sauver. Nous allons essayer de voir à quel point cela est vrai ou pas. Commençons par regarder, c'est un graphique proposé au cours des dernières années par Jean-Marc Jancovici. Commençons par regarder comment est-ce que l'augmentation de consommation mondiale d'énergie au cours des 20 dernières années, en fait, ici, entre 2000 et 2018, comment cette augmentation de la consommation mondiale d'énergie s'est répartie entre les différentes sources d'énergie. Très clairement, ce surplus d'énergie, ce surplus de consommation d'énergie depuis l'an 2000 a été essentiellement porté par les trois énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz. Entre 2000 et 2018, le charbon, la consommation de charbon, a augmenté 11 fois plus vite que la consommation d'énergie solaire. Et elle a augmenté 5 fois plus vite que la consommation d'énergie d'origine éolienne. Très clairement, l'essentiel de surplus de production et de consommation d'énergie depuis l'an 2000 résulte d'un surplus de production et de consommation d'énergie fossile. Les énergies renouvelables, qu'elles soient hydroélectriques, solaires ou éoliennes, et ne parlons pas ni du nucléaire, qui n'est pas une énergie renouvelable certes, mais encore moins du géothermique, ont contribué pour très peu dans cette augmentation. Une autre façon de voir à peu près la même chose, eh bien, c'est de regarder l'évolution de la production électrique mondiale entre 1985 et 2018. Là aussi, un graphique proposé ces dernières années par Jancovici. Nous voyons que depuis 1985 jusqu'en 2018, et cela reste évidemment vrai pour 2019 et 2020, toutes les sources d'énergie ont augmenté en termes de production et de consommation. Le charbon, évidemment, le pétrole, ici, non, pardon, c'est le gaz, ici, le pétrole, qui est assez peu utilisé pour produire de l'énergie électrique, en jaune, le nucléaire, en bleu, l'hydroélectrique, et les dernières couleurs, ici, les plus fines,
correspondant aux nouvelles énergies renouvelables. Nous voyons de fait au passage qu'y compris aujourd'hui, ces nouvelles énergies renouvelables représentent encore très peu de choses au regard des autres sources d'énergie primaire permettant de fabriquer de l'électricité. Mais il y a plus embêtant que ça. Il y a que, au fur et à mesure que nous sommes montés en puissance en termes d'énergie renouvelable, en réalité, la montée en puissance en termes d'énergie fossile a été encore plus forte. Tant et si bien que les énergies fossiles représentaient 63% de l'énergie primaire nécessaire à la fabrication d'électricité en 1985. Elle représentait 64% de l'énergie primaire nécessaire à la fabrication d'électricité en 2000. Elle représentait 65% en 2018. Au fur et à mesure qu'on développe de plus en plus la production d'énergie par les nouvelles énergies renouvelables, on produit de plus en plus de CO2. La transition énergétique, ça n'a jamais existé, et ça n'existe pas, et ça n'existera probablement pas. En tout cas, pas comme ça. Alors, la conclusion qui s'impose à nous ici, c'est que, en fait, les nouvelles énergies renouvelables, pour l'instant en tout cas, n'ont absolument pas permis de faire diminuer les émissions de CO2. Plus nous avons développé des énergies renouvelables au cours des 20 dernières années, 30 dernières années, plus nous avons en même temps consommer de charbon, de gaz et de pétrole, énergie fossile, pour produire de l'électricité. En fait, les nouvelles énergies renouvelables transforment un problème compliqué, certes, mais un problème, les émissions de CO2, en trois problèmes distincts. D'abord, premier problème, le développement des énergies renouvelables, visiblement, en tout cas pour l'instant, n'amène pas à une diminution des émissions de CO2, puisque la part des énergies fossiles ne cesse de continuer à augmenter dans la production d'électricité. Deuxième élément, la production de ces nouvelles énergies renouvelables génère d'importantes pollutions des sols et des sous-sols liées aux activités minières d'extraction des très nombreux métaux nécessaires à la construction des générateurs d'énergie et des structures de pilotage et de stockage de ces énergies renouvelables. Enfin, troisième problème, ces énergies renouvelables sont en fait extrêmement limitées. Il y a peu de chances pour que un jour, ces énergies renouvelables remplacent la totalité ou même en partie importante, les autres sources d'énergie primaires permettant de fabriquer de l'électricité, simplement parce que les ressources minérales non renouvelables nécessaires à la production de ces nouvelles énergies renouvelables sont souvent très rares, non recyclables, et qui plus est, leur accès est contrôlé par un très petit nombre de pays. En fait, trois pays sur Terre à eux seuls contrôlent la quasi-totalité de l'extraction des ressources minérales nécessaires à la fabrication des énergies non renouvelables. Ce qui met tous les autres pays dans une situation de dépendance énergétique, politiquement et économiquement extrêmement dangereuse. Alors, je vais surtout insister ici sur l'aspect limité des ressources minérales nécessaires à la production de ces nouvelles énergies renouvelables. Nous regardons ici dans le tableau périodique des éléments le nombre d'années de réserve, nombre d'années de réserve connues plus projetées dans un scénario relativement optimiste,
le nombre d'années de réserve des métaux rares et précieux dans l'hypothèse où la production et la consommation de ces métaux rares et précieux se maintient au même rythme qu'actuellement et n'augmente pas, ce qui est une hypothèse extrêmement conservatrice, extrêmement prudente. Les différentes cases rouges allumées sur ce tableau périodique des éléments correspondent à des métaux dont le nombre d'années de réserve connu plus projeté est inférieur à 50 ans. Autrement dit, dans un scénario optimiste, nous projetons qu'à l'horizon 2070, il n'y aura plus exploitable dans les couches sur Terre de zinc, de gallium, de germanium, d'arsenic, etc., etc., etc. En orange correspondent les quelques métaux, dont l'uranium, les quelques métaux dont le nombre d'années de réserve connues plus projetées est inférieur à 100 ans, compris entre 50 et 100 ans. En jaune, les métaux pour lesquels les réserves connues plus projetées sont supérieures à un siècle, hein, comprises entre un siècle et 1000 ans. En gris, tous les atomes pour lesquels il n'y a pas de problématique particulière à ce sujet. Si on regarde uniquement les éléments dont les réserves sont les plus faibles, en rouge sur le tableau périodique des éléments, nous trouvons par exemple l'hafnium, le rhodium, l'argent, l'or, le zinc, le gallium, le germanium, l'arsenic, l'indium, l'antimoine et l'étain. Tous ces métaux ont aujourd'hui un certain nombre d'utilisations industrielles. L'hafnium, par exemple, sert dans les processeurs et microprocesseurs informatiques, c'est un excellent semi-conducteur. Le rhodium est un catalyseur qu'on va trouver dans de nombreux moteurs. L'argent est très utilisé en électronique pour des contacts qui ne s'oxydent pas. C'est la même chose pour l'or. Le zinc est énormément utilisé dans les panneaux photovoltaïques. Le gallium sert à la fabrication des LED, à la fabrication des CD et des DVD, à la fabrication des disques durs. Il est également utilisé dans les télécommandes infrarouges et d'autres types d'utilisation électronique. Le germanium est très utilisé dans tous les processus Wi-Fi. L'arsenic est un semi-conducteur. L'indium est utilisé dans les écrans LCD, dans les panneaux photovoltaïques également. L'antimoine est un semi-conducteur très utilisé dans les processeurs et microprocesseurs. L'étain est utilisé pour les soudures, dans, les objets électroniques. Très bien. Tous ces métaux-là sont rares et en plus, la plupart de ces métaux ne se recyclent pas ou très peu. L'hafnium, le rhodium, le gallium, l'arsenic, l'indium, l'antimoine ne sont pas recyclés. Ils ne sont pas recyclés parce que le coût énergétique de leur recyclage est bien supérieur au coût énergétique de leur production. L'argent, l'or, le zinc, le germanium, l'étain sont recyclés, mais sont recyclés pour moins de la moitié, voire le quart, voire le cinquième de ce qu'ils sont utilisés. Bref, des éléments, des ressources minérales non renouvelables et qui, en plus de ça, ne sont pas recyclées, voire ne sont pas recyclables. Évidemment, évidemment, d'ici quelques années, pour la plupart, quelques dizaines d'années, tout au plus, pour la plupart de ces éléments, va se poser la question de leur absence. Nous n'en aurons plus. Et partant de là, nous ne pourrons plus fabriquer tout ce qu'ils nous permettent de fabriquer aujourd'hui. Alors, en fait, dans un panneau voltaïque, nous trouvons toute une série d'éléments minéraux, du fer, de l'aluminium, de l'argent, du cuivre, du plomb, du lithium, du manganèse, du nickel, du molybdène, du zinc, de l'indium, du néodyme. Dans une éolienne, afin de fabriquer l'aimant permanent de l'éolienne, il va falloir du fer, du bore, et également au moins trois terres rares, praséodyme, néodyme, dysprosium.
Pour une pile à hydrogène, il va falloir un certain nombre de métaux sur lesquels il n'y a pas forcément de problématique à court terme d'approvisionnement, et il va falloir également du lanthane et du praséodyme. Pour une batterie lithium-ion, eh bien, il va falloir du lithium plus du cobalt, ou du manganèse, ou du fer, ou du nickel, ou du titane. À titre informatif, pour le smartphone qui aujourd'hui nous équipe tous, eh bien, il faut 22 métaux nécessaires à la fabrication d'un smartphone, dont de l'argent, de l'or, de l'arsenic, du gallium, de l'indium, de l'antimoine, du cuivre. Des métaux pour lesquels les réserves se comptent sur Terre en quelques décennies. Tous les métaux que j'ai ici soulignés sont ce que l'on appelle des terres rares, non pas tant qu'elles soient extrêmement rares à la surface de la Terre, peu importe la raison pour laquelle on les nomme ainsi, ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que aujourd'hui, pour des raisons strictement géologiques, c'est un seul pays sur Terre aujourd'hui, à savoir la Chine, qui contrôle l'extraction de 97% de toutes les terres rares dans le monde. Terres rares nécessaires à la fabrication des panneaux photovoltaïques, à la fabrication des aimants permanents des éoliennes, à la fabrication des piles à hydrogène notamment, à la fabrication des smartphones également. Ça n'est pas un hasard si aujourd'hui le plus gros fabricant sur Terre de smartphones, et de très très loin, c'est la Chine. De fait, en développant des énergies renouvelables à base de photovoltaïque et d'éoliennes, nous annexons notre indépendance énergétique à la bonne volonté d'un seul pays dans le monde, la Chine. Si on regarde un petit peu plus précisément, en fait, il y a trois pays dans le monde qui produisent l'essentiel des métaux rares et précieux utilisés par l'humanité aujourd'hui. La Chine d'une part, l'Afrique du Sud d'autre part, mais en Afrique du Sud, la grande majorité des mines sont en fait sous contrôle chinois, et l'Australie. Le reste des pays contribuent pour relativement peu et seulement pour quelques métaux très ciblés, très particuliers, à la production de métaux rares et précieux sur Terre aujourd'hui. En plus de cette très forte hétérogénéité géographique, il y a une problématique de distribution de ces métaux rares et précieux dans la croûte terrestre. À savoir qu'en fait, l'immense majorité de ces métaux rares et précieux existent dans la croûte terrestre à des taux de concentration qui sont tellement faibles, à des niveaux de concentration qui sont tellement faibles, qu'en fait, ces ressources-là sont inexploitables. La quantité d'énergie qu'il faudrait utiliser pour arriver à extraire et à concentrer ces minerais très très faiblement concentrés dans la croûte terrestre, rend l'exploitation de ces minéraux totalement inenvisageable à court et moyen terme. Il y a ce que l'on appelle une barrière minéralogique, une barrière de concentration, qui fait qu'en fait, c'est de l'ordre de 0,1% de tous les métaux rares et précieux présents dans la croûte terrestre qui sont exploitables directement. Parce que concentrés par divers types de réactions géochimiques ou biogéochimiques, concentrés par l'activité volcanique, concentrés par l'activité géologique de la planète, l'activité tectonique notamment, concentrés dans des phénomènes d'érosion différentielle qui font que une petite quantité de la totalité de ces ressources théoriques, seulement une toute petite quantité de l'ordre de 1 pour 1000, est en fait directement exploitable. Alors, quelles conclusions on peut tirer de tout cela? Eh bien, effectivement, diminuer nos émissions de CO2, notamment au regard du réchauffement climatique en cours, est une nécessité absolument vitale. Dans ce contexte, diversifier les ressources d'énergie en développant de nouvelles énergies renouvelables bas carbone, évidemment,
diversifier ses ressources d'énergie est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais certainement pas au prix d'une augmentation considérable de la pollution des sols et des sous-sols, liée à l'extraction des minéraux nécessaires à la production de ces sources d'énergie renouvelables, et certainement pas non plus au prix d'une aliénation énergétique à quelques rares pays, notamment la Chine. Il n'y a donc, à cette heure, à ce jour, et probablement encore pour plusieurs décennies, aucune alternative sérieuse et réaliste aux énergies fossiles. La seule solution, donc, c'est la décroissance énergétique et donc la décroissance économique. Je vous renvoie à ce niveau à la vidéo consacrée au thème de l'énergie, drogue de l'humanité. Une telle décroissance énergétique et donc économique sera forcément très douloureuse, quoi qu'il en soit. Mais anticiper et accompagner cette décroissance énergétique et au final économique est la seule solution afin de limiter la catastrophe absolue que serait une décroissance subie.